leur base de données. On a éventé leur secret le mieux gardé, on dirait. Cette chose, c'était la source d'énergie du sel. L'Alpha Ceph. Il est bien plus puissant que je le croyais. Mais quand je l'ai approché, j'ai vu des choses qu'ils auraient préféré me cacher. S'ils peuvent rentrer dans ma tête, je peux sûrement leur rendre la politesse. Il suffit de trouver la faille. Psycho, tu saurais où trouver une nacelle? Ouais. Au labo d'écorchage, où j'étais détenu. On s'y retrouve d'ici 30 minutes. Fais attention à toi, Michael. Il y a certaines choses impossibles à pardonner. C'est déployé. Affirmatif, on rejoint le secteur. Tout est OK. Vous entendez ? RAS dans le secteur. Aux alertes. Compris. Reprenez le quadrillage. Rien en minute. On se dirige vers le checkpoint suivant. Quelque chose ? C'est rien. Bordel, où est-ce qu'il est passé? Ok, ici. Non, aucun signe de prophète. Passe le mot. Blacktail Leader, ici Blacktail 9. RAS sur zone Delancey 4 Alpha. On passe au secteur suivant. Terminé. Négatif, Blacktail 9. Nax a engagé le protocole Étoile Rouge. Toutes les patrouilles sont rappelées pour évacuation. Terminé. Étoile Rouge, confirmé. C'est forcément une erreur. Terminé. Confirmé. Le protocole Étoile Rouge est entré en vigueur. Non, putain de merde! Il débloque ou quoi? Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? J'en sais rien, rien à foutre de prophète, on se barre, hé! Et pour Steeber? Je l'emmerde, il se débrouillera. Psycho, t'as déjà entendu parler de l'Étoile Rouge? Non, jamais. Le sel, c'est pas le genre à flipper pour rien. Vois ce que tu peux trouver. On se retrouve après. C'est la merde. On a perdu le contact avec Rash et Claire. Va falloir que tu ailles en solo, le temps de voir ce qui se passe.
arrêter Iron Horse près de ta position. C'est des agents de renseignement. Ils portent leurs petits secrets à la déchiqueteuse, je parie. Prophet, si tu mets la main sur ces données, on pourra savoir qui m'a torturé. Putain, c'est peut-être ici que le sel remplit tous ces secrets. Un de nos gars s'est fait buter! J'ai localisé Iron Horse. Super, cherche le fichier du labo. Une escorte pour protéger ces données. Ça te coûtera rien de les intercepter. T'en as sûrement rien à battre, mais savoir qui m'a torturé, c'est foutrement important pour moi. J'ai trouvé. Ça dit quoi? Rien. C'est crypté. Ah, putain! Thank you.
tirer sur la zone éclairée. Si vous voyez bouger quoi que ce soit, vous butez. Pas de pitié. Arrondor. Thank you.
VHS. L'impulsion électromagnétique a grillé le réseau. Rash a disparu. Maintenant, c'est lui la priorité. Michael vous en dira plus. Prophète, les archives du CEL indiquent qu'un cerveau relais CEF se trouve tout près de vous. Comme vous êtes sensible à l'influence alien, vous feriez aussi bien de garder vos distances. Négatif. Les CEF. Prophète, les archives du CEL indiquent qu'un cerveau relais CEF se trouve tout près de vous. Comme vous êtes sensible à l'influence alien, vous feriez aussi bien de garder vos distances. Négatif. Les CEF ont une conscience collective. Un esprit de ruche, et elle dépend tout entière de l'Alpha. Maintenant qu'il est libre, ils s'éveillent tous. Si ces cerveaux relais sont impliqués, faut que j'y jette un œil. Conscience collective. Mais votre ADN est rempli de matériel génétique alien. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Camouflage activé. Psycho ? Je t'écoute. Besoin de quelque chose ? Non. Je venais aux infos. J'arrive au rendez-vous d'ici 3 minutes. Prophète,
prophète. Le réseau de communication sera bientôt rétabli. Mais nos officiers signalent une recrudescence d'activité des sectes. Le périmètre du dôme n'a pas été forcé, mais à l'intérieur... Oh putain! C'est un carnage! Il faut que je trouve Rache! J'ai pas été formée pour ce genre de situation, merde! Prophète, il y a un pinger démantelé tout près de votre position. Vu l'activité 7, il risque de se réactiver. Vous auriez intérêt à garder votre distance. Possible. Mais s'il a une source d'énergie, je pourrais peut-être m'en servir. Camouflage activé. Le sel m'a gardé au frais ici pendant des mois. Je m'étais jamais rendu compte jusqu'où ils étaient allés. C'était qu'une question de temps avant qu'il m'expédie dans une de ces machines. Parce que la nanocombi, c'est ça, hein. Un exosquelette Ceph.
faire payer ça! Espèce de fumier! Où est-ce que vous êtes? Psycho? Si je pouvais mettre la main sur celui qui a fait ça, je le buterais. Allez. On y est. Claire, ouvre la porte. Un instant. Ça va aller. Ouais. Tu es entré? Ouais, à moitié. Calibrage télémétrique. Il y a un petit décalage. Compensation. On est dedans. Verrouillé. Assieds-toi. Est-ce qu'on est bien sûr de notre coup? Débloquer la combinaison, c'est faire sauter les sécurités. Rerouter les nanites. Impossible de prévoir ce qu'il va devenir s'il est saturé de technologie SEF. T'es sûr de pouvoir encaisser, boss? Fais-le. J'accède au système de récup des bordels. Filtrage. Le risque a toujours existé. Nous avons amorcé un changement radical de votre nature. Mais pour triompher d'un ennemi d'une seule force de technologie, il fallait devenir comme nous. Nous avons placé des antagonistes sur vos récepteurs dopaminergiques. Votre esprit sera protégé. Antagonistes sont purgés. Je relève des changements neurologiques critiques. Je devrais pouvoir établir une liaison optimale avec les SEF. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Alors pour nous deux, c'est semblant à cause de ça, ta putain de culpabilité. Mort, c'est censé tout arranger. Si t'es désolé à ce point, Claire. Et pourquoi est-ce que tu m'as rien dit? Tu m'as baladé depuis le début, foutu Psycho, mental. Écoute-moi. Tu sais aussi bien que moi qu'elle n'a pas eu le choix. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Pas le choix. Elle a juste fait ce qu'on lui a dit. Elle a fait que suivre les ordres. Ça te rappelle rien ni personne, prophète? Bonne chose, t'avais raison sur ton compte. T'as plus rien d'un être humain maintenant. Tu pourrais aussi bien être une foutue machine. Déjà qu'avant, t'avais pas une gueule de
tant de bonheur, mais là, hein, regarde-toi. À quoi est-ce que tu ressembles sous ton putain de casque, prophète? Est-ce que t'as encore seulement un semblant de visage? Nous avons tous fait des sacrifices. Tu avais le choix. Tout le monde a le choix. Je t'ai dit tout ce que t'avais besoin de savoir. Tu te souviens de ça? Tous ces hommes qui sont morts sous ton commandement, parce que tu suivais les ordres, parce que tu n'avais pas le choix. Tout comme elle. Psycho, pas je... la peine. Prends ta combinaison et tire-toi. Va te battre pour ta gueule. Comme toujours. Michael ? Non, Claire. Il a raison.